Bon matin, bienvenue dans une nouvelle série Summoner's War. On va recommencer un nouveau compte de zéro, enfin on recommence à zéro pour tout terminer le contenu PVE. On va faire le scénario géant, dragon, nécropolis, les bêtes du Rift, la tour d'ascension, puis peut-être même on va faire du RTA un peu. Cette série-là est destinée pour les débutants, ou même ceux-là qui sont avancés et qui veulent quelques petits trucs pour savoir comment runer nos monstres. Est-ce que les NAT 5 sont meilleurs que les NAT 4? Des fois non, ça dépend. Donc on va être capable de tout voir ça ensemble. Ok! Bon matin, nouvelle île. Donc l'objectif d'aujourd'hui, ça va être de finir scénario chapitre 1, Forêt de Garen, pour avoir l'étiquette de premium pack gratuit. Et on va les summoner. Peut-être qu'on va avoir de quoi de bon ou pas. Mais il faut faire avec. Donc je vais avancer la vidéo jusqu'à temps qu'on soit dans le premier du la forêt de Garen. Ok, donc je crois que je suis libre. Donc à ce moment-là, il faut juste terminer le chapitre 1 pour avoir nos monstres, nos summons. Il n'y a pas encore de mode automatique, mais bon, je pense que tout le monde est capable de faire ça à ce point-là. Donc vraiment, le premier objectif, c'est de terminer ce scénario, de le faire de A à Z, comme ça on va débloquer un vélin légendaire à la fin, on va avoir des sets de runes, on va avoir un vélin lumière ténèbres, peut-être qu'on va être chanceux, peut-être. Un petit nat 5 lumière, ce serait pas pire. Mais pour être plus réaliste, faut penser qu'on va avoir des 4 étoiles. Comme ça, on n'est pas déçu de nos résultats. Donc, moi, ce que je vais viser, ça va être peut-être un Lucian. Lucian ferait super bien. Pourquoi? C'est parce que Lucian, son troisième skill. Écoute, tu peux finir le jeu avec ça. Là. Viser un Kaki. Kaki serait phénoménal. Il one-shot tout. À la fin, t'es capable de tout faire avec. C'est vraiment facile. Peut-être Tyrone aussi. Tyrone ferait vraiment bien parce que plus tard, on aura besoin de faire TOA, la tour d'ascension. Puis la clé pour la réussite de TOA, c'est les crowd control. Donc, étourdissement, être gelé. Geler les gens, geler le monde. Oui, level 3. Ok. On achève. Donc, je vais reposer la vidéo jusqu'à la fin. Bon, enfin, lui, on va être rendu pour aller chercher nos summons. Donc, le ticket d'invocation. On pourrait faire la reine au sort 5 vélins mystiques de plus. Donc, on va regarder ça. Dialogue, ok. Ouf. Ça, c'est pas bien. Ça peut faire pendant un bout, là, mais c'est pas le top. Donc, commande dialogue. On va y arriver. Ok, bon, on est libre. Enfin, non, je veux pas y aller. Merci beaucoup. Je vais aller faire la reine. Pour avoir mes 5 vélins mystiques, 5 chances de plus d'avoir un 5 étoiles, hein? Nah, je veux un Lucian. Tyron fait super bien aussi. Ok, non, je veux pas ça. Arrête. Ah, oh, qui a du menu? Ok. Ok. On va faire la reine. Bon, ça c'est pas compliqué non plus. Clac, clac. Fini. Ok, il est fait. Donc, on a quoi? 16 vélins mystiques total. Une chance d'avoir un bon monstre. Sinon, on est capable de faire quelque chose avec ça. S'il arrête de me parler, parce qu'il y a tellement de dialogue dans le scénario. Oui, défense, je sais. C'est pas grave. Et on va aller chercher. Ouh, 3. Nice. 3 de plus. 19 chances. Est-ce qu'on va être capable d'avoir un at 5? Très bien. Ok. C'est assez, là, les. Ok. Oh. Summon. Non, c'est pas vrai. Faut que je les récupère. Go. Non. Je vais pas faire
10. On pense à monnaie 15 sur 24. Ouf, ok. Nope. Wow, pas de spark. Ouh, ouh, ouh. Ok. Il revive si je me trompe pas. Non, il revive pas. C'est quand il meurt, il revive si. Ok, non, c'est. Avoir rien. Ok, on n'a pas assez de mana. On va aller s'en chercher. On est correct. Je ne suis pas très chanceux. Wow, je me fais encore avoir avec les passés de mana. Ok, je ne peux plus summoner parce que j'ai pas assez de mana. Donc on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Okay, on va se faire un plan de match là. Ok, non c'est assez. dialogue. Ok, c'est pas grave, on s'en fout pour le moment. Ok, c'est intéressant comme... comme monstre, j'ai vraiment pas grand chose. Donc, moi je pense à elle, à Mina, pour les dommages de cible unique, boss, peut le faire, mais au début comme ça, tu veux vraiment essayer d'avoir un AoE, zone, attaque de zone. J'en ai pas beaucoup. Vu que c'est juste scénario, pour le moment, c'est possible. Fait, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre Mina, prendre Kali. Parce que Kali, c'est une bonne damage. Mais elle fait juste du cible unique aussi, ce qui n'est pas le top, mais c'est pas grave pour le moment. On est juste dans le scénario au début. Paramahan. Il va servir pour les skill-up. Il n'a qui fait lui. Ok, mais bien, peut-être qu'on pourrait l'utiliser. Ce qui va descendre la vitesse d'attaque de tous les ennemis de 30%. Puis il va les rendre slow. Ok. Il va buffer un peu. Oh, puis il donne un tour. Ok, fait qu'on va l'utiliser. Fait qu'on va utiliser. Imeseti, Mina, Kali, ça nous prend un heal. Est-ce que lui heal un peu? Nope. Fait qu'on va aller avec celle-là. Donc, sur ce, on va se revoir dans la prochaine vidéo. On va essayer d'avancer le scénario un petit peu plus. Ça, c'était juste peut-être une petite introduction avec qu'est-ce qu'on peut faire avec des monstres 3 étoiles. On peut faire quelque chose avec ça. C'est pas dramatique. Puis on va être capable de clencher tout scénario facilement. Donc sur ce, passe une bonne journée.